Il démo. Oh, comment ça c'est pas froid? Ok, salut les petits loups. Du coup on se retrouve Figeac pour les championnats de France. Et je suis avec Sacha et John, tu connais. Du coup là on vient d'arriver, donc on est en mode sérieux de ouf. Du coup on est venu avec le club comme d'hab, on a pas mal de qualifiés. Ouais. Donc en tout il y a 6 qualifiés de Luxeuil, dont 3 de Lifting Hub. Donc d'abord dans l'ordre des passages, il y a Léa en 71. Ensuite il y a Alex en moins de 81 junior, Manu en moins de 81 senior, moi en moins de 89 senior. Et après il y a Cassandra qui est derrière la caméra qui passe en 59 junior. Et le dernier jour, il y a le gros Benko qui clôt le bal finalement en 109 senior. Et il y a 2 semaines, j'ai fait donc Il est si heureux. Non, il y a 2 semaines, j'ai fait premier aux fédéraux, donc avec 115 et 146. Ouais, 146. Ouais. J'ai tenté 160. Pour la qualif. Pour la qualif, sans réfléchir, comme a dit le speaker. Ouais. Sachant que je m'étais blessé le lundi précédent au genou. Jusqu'au jeudi, je pouvais pas faire de squat. Mais Clara Oudebert de Besançon, chiropractrice, m'a préparé. Et depuis, ça va. Et l'année prochaine, il va faire les France avec nous. Il aura le droit de se baigner. Et là, je reste dans le pédiluve. Je débrasse. Hein. Il est juste content. Frérot, c'est dangereux les animaux comme ça, faut pas les sous-estimer. Ils font un tête-tête. T'es mort. Ça tue, mec. Ouais, trop bien. Je suis à côté de... Y'a pas de feu d'orthographe? Non. Les gars, fin de la première journée. Donc là, on est arrivé dans les locaux, on a pris nos repères et on va essayer de se reposer tranquillement. Donc on a eu le temps de manger, s'occuper des t-shirts pour le stand de demain. Donc les gars, s'il reste des t-shirts disponibles après l'événement, je le noterai ici. Et ensuite, soit vous irez dans la description chercher sur liftinghub.store pour en acheter, soit en DM sur liftinghub sur Instagram. Donc ça, je vous le préciserai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous serez tenu au courant. Du coup, rendez-vous demain pour le début des championnats de France. Demain matin, il faut que je me lève assez tôt pour m'entraîner. Donc là, on va aller se coucher. Ça doit se voir qu'on est fatigué. Donc bonne nuit les gars, à demain. Yeah, bye.
got that dub inside, shit, nigga, I'm finna go crazy. Bon les gars, on y retourne. Au match de Léa Marie, on va s'occuper du stand. Bonjour. Alors, futur athlète championnat d'Europe, U20. Tout à fait. T'es chaud? Ouais, je suis chaud, ouais. Ok. Bon, le match de Léa Marie va commencer, donc c'est parti. On a attendu longtemps, il y a un peu de retard, mais let's go. Allez, montrez-nous, grand! Allez! Tiens là! Ouais, bravo! Allez! Yanis Pachereau. Ouais, Yanis! Allez, Yanis! On est les t-shirts, 20 euros, édition spéciale, Coupe de France. Ça, c'est vraiment des petits tops, tu vois. Allez, quoi? T'as vu, même là, il met ses gros défis. Tu vois, Oh là là là! Mais c'est noir. C'est noir. La fête, moins 3 kilos de 100 max après, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle vient de se qualifier en championnat d'Europe, le total qui est demandé c'était fait. On ne peut pas rester toujours, on fait l'altéro, hein, de toute façon, on ne peut pas être toujours 100% ou 400% ensemble. Toi, bah, t'entraîner comme un camion, le jour J, t'es pas là mentalement ou physiquement, t'es pas là. Bah, pour moi, elle a fait un beau match, elle a fait 3 essais sur 6 qui donnent quand même un total. Et surtout, elle a fait le championnat de France. Bah oui. C'est dur ça. Ça, et puis elle a fait que 3 kilos, moins de 100 max, elle a fait 166 en faisant 3 barres. Ouais, elle a encore sous les pieds, elle est jeune, elle est dans un milieu qu'elle ne connaît pas. Il faut trouver la confiance et l'assurance, surtout l'assurance, c'est tout. Avec les compétitions, bah, comme toi Ben. Hein, c'est... Parle de ça, je t'aille. Ok. Attends. Hier, Taïa, il dit je vais boire du Jack Daniel avec Marc. Manu, il dit tu peux pas parce que t'es hindou. Et Taïa, il a répondu ouais, mais je suis un dur. T'es hindou, hein? Attends un peu. Oh, trouve des vraies blagues, merde. On va essayer d'aller, vas-y. Toi d'abord. Non, les deux. Les deux. Non, comme ça, si tu meurs. On s'en garde. Si tu meurs, je fais quoi? Ah. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Aïe. Mais look, hein, mon... C'est costaud quand même. Ah, je te le dis. Moi qui me prends ces restaurants, je me acheter. Il a pas poussé en jambes là. Oh, plonge, putain, ta race là. Il flotte.
derrière du crâne. Non, tu peux pas plonger là, t'es pas en dessous là. Oh, oi oi. Mais tu le vois pas, il est con. Sur le jeu des forces. Plus gros bourrin de France. C'est parti. Saison prochaine, 170 en jeu des forces. Là, on avait une belle barre. Hein. Franchement, c'était pas mal du tout. 73 kilos, très costaud. Hein. Et moi, je te demande, mec, t'es sûr ou quoi? Ouais, ouais, franchement, ouais. Il y a des bêtes sur mon plateau. Benjamin Ferry, c'est parti. Tu vas bomber Brandon ou pas? Ouais, moi, je bombe tout le monde. Moi, je viens, c'est pour niquer des culs, tu vois. Ok, c'est la fin de la deuxième journée. Du coup, moi je suis arrivé un peu plus tard dans l'après-midi pour le match de Sacha. Il y a les gars qui ont continué à tenir le stand. Alex, il a fini premier en 81 en U20. Sacha, du coup, il a fini cinquième. Il rate de peu la troisième place avec le 171 à l'épaule jetée, c'est dommage. Mais c'est le meilleur total de sa vie en compétition et il fait 351 IWF. Donc pour le top 9, ça sent bon quand même. On a notre U20 en moins de 59, Cassandra, bah, malheureusement, qui a bullé à l'épaule jetée. Elle a fait une luxovienne. Donc moi pour ma part là, pour cette fin de journée, il est 21h, je vais aller me reposer pour être en forme pour demain matin. Et puis on se retrouve plus tard. Ouais, c'est du coup, dommage.
Voilà, bonjour. Yanis. Je vois que ça tourne. Incroyable. Que les philosophes ici. J'aimerais bien une petite question miteuse. Peut-être avec toi, Camille. Tu vas gonfler, tu vas prendre de la caisse. Ton entrée. Je vais finir sur YouTube. Alors, allez, allez vous abonner à Grace Junior sur Instagram. Je vais filmer là. C'est, t'as un rat mort au-dessus de ta caméra, tu feras gaffe. Mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est que depuis tout à l'heure, on regarde les grosses catés monter les escaliers, les mecs, ils arrivent aux escaliers. Je vais te faire une pause là. Attends. 114. Tu viens à ce front, tu te fais agresser, qui t'a invité?